Comment accompagnez-vous les candidats de vos localités à vivre dans la sérénité, l'attente des résultats des examens nationaux? Réagissez dans Opinion de Nasuba sur le 96 21 50 40 sur Radio Parakou ce mercredi 21 juin 2023 à partir de 6h35. Opinion, le rendez-vous de la libre expression sur Radio Parakou. C'est reparti pour une nouvelle aventure, mesdames et messieurs. On se retrouve ce matin, nous sommes mercredi, c'est le 21e jour de ce mois de juin 2023. Bonne fête de la musique à toute la communauté béninoise, à tous les musiciens. Mesdames et messieurs, on démarre tout de suite et maintenant, mais retenez que l'équipe est composée à la mise en onde de Pélagie à Rodéon, le streaming et infographie Eman Wenceslas à Botonou, Gilda Sespoir Sarigaté pour la coordination. Comment accompagnez-vous les candidats? Et c'est le sujet d'opinion. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité, l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités? 96 21 50 43 www.facebook.com/ORTB Parakou. Retrouvez ce matin, bon réveil où que vous soyez en ce moment. L'émission c'est Nasuba, c'est tous les jours de la semaine du lundi au vendredi dès qu'il sonne 5h30 minutes en temps universel, 6h30 au Bénin. Ce matin, opinion dans l'attente des résultats, on va dire, des examens nationaux. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité, l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités? Et puis, on dit bon courage à tous les candidats à l'examen du baccalauréat 2023. C'est le dernier jour. Et beaucoup de courage à vous. Donc, tout va se passer comme vous le souhaitez. N'oubliez pas, le sujet grand format, la drépanocytose, mieux connaître le mal. Aziz Alagbé du Desk Santé nous invite dans ce grand format à le découvrir, ce mal donc, pour mieux le prévenir. Mes invités, Abdoulaye Moumouni Yakoubou et Aziz Alagbé, bienvenue une fois encore.
56 21 50 40. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité, l'attente des résultats des examens nationaux 2023? C'est le sujet au cœur d'Opinion. Et pour opiner, vous appelez au 96 21 50 40. Le bulletin matinal tout à l'heure, lorsqu'il va sonner 7h, vous aurez la page des sports. Nous aurons la revue des titres des journaux parus ce jour. Puis le grand format où on s'intéresse à cette maladie, la drépanocytose. Mieux connaître le mal, ce sera avec Aziz Alagbé. Restez des nôtres. Et puis, ça se discute et ça va se discuter sur deux sujets. Sur la sérénité dans l'attente des résultats. Et puis, la drépanocytose. Mieux connaître le mal. Premier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Monsieur Dinado Rafio? Oui. Vous appelez depuis Tchaourou? Oui. Bon réveil chez vous. Merci beaucoup. Voilà. Allez, le sujet de ce matin. Bon, moi je n'ai pas vu quelque chose d'important, parce que l'examen, c'est comme les devoirs qu'ils font dans les classes. Comme les devoirs qu'ils font dans les classes. Et c'est selon quel cas travailler, c'est comme ça qu'il va attendre ça. Monsieur Guinado Rafio, ça nous le savons. Oui. Vous avez passé une fois un examen, n'est-ce pas? Oui. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez rien là quand on passe un examen, quand vous avez, même en tant que parent, un enfant qui passe un examen, vous êtes stressé et l'enfant encore plus. Et donc, comment donc amener l'enfant, disons, à se calmer, à ne pas paniquer, à ne pas avoir peur des résultats? Comment l'accompagner? C'est de ça qu'il est question. Et donc, lorsque vous... Parce que vous n'êtes pas allé vous asseoir pour composer à la place de l'enfant. Non. D'accord. Non, on doit le parler. Mm. On doit le parler pour le faire, pour apaiser son cœur, de ne pas avoir peur. Parce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont anxieux, qui ont peur, parce qu'ils ont fait ils ont commis une petite bêtise, ils ne mangent plus, ils sont là tout le temps à faire des calculs. Vous savez ce que c'est qu'un examen? Oui, on doit à chaque moment, on doit être avec lui pour ne pas aller commettre une chose qui est si grave. Mm. Donc, ou bien, si ils sont ménage, je peux le prendre, voir, ne le pas. Mm. Regardez, en tout cas, il y a d'autres qui n'ont pas sorti, qui peuvent se camoufler dedans pour se mettre d'autres gaffes. Mm. Donc, comme ça, on doit l'aider, on doit le parler. C'est comme un petit comprend ce qu'il y a là, quoi. Mm. Donc, on doit le parler pour que son corps puisse être apaisé. D'accord, on doit tout faire pour que l'enfant ne s'isole pas. Et quand on remarque qu'il est isolé, qu'il s'est isolé ou qu'il est enfermé dans la chambre, il faut aller lui parler, il faut chercher à savoir pourquoi. Mais généralement, c'est ce stress, cette peur. D'accord. Merci donc pour vos conseils, M. Dinado. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée à Tchaourou. Il fait quel temps à Tchaourou? Il fait beau temps. D'accord. Passez bonne journée à Tchaourou. Merci beaucoup. 96 21 50 40, c'était le premier intervenant dans cette rubrique Opinion.
Allez, on prend le second. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre là, dans la sérénité, on va dire, l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités? Lui également, il est en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? On m'appelle Afoda Alphonse, depuis l'Amérique. Monsieur Afoda Alphonse, c'est la première fois que vous appelez dans l'émission? Oui. D'accord, bienvenue à vous. Merci. Voilà, voici donc vraiment, le sujet est d'ordre capital. Ça, en quelque sorte, vaut la peine d'être débattu. Oui, nous devons, comme parents, on doit accompagner ces enfants. Oui, leur dire que ce n'est pas la fin du monde. Quelle que soit la couleur de ce résultat, on doit les accompagner, les soutenir. Oui, parce que si on accompagne au moins les années passées, il y a des parents qui ont dû menacer les enfants jusqu'au peu où, après le résultat du bac, sont allés se suicider. Bien sûr. Donc, c'est quoi qu'on doit éviter? Après les enfants. Vous avez des parents qui disent, si jamais ça ne marche pas, si jamais tu ne réussis pas, si c'est terminé. Pas, je n'ai plus un franc, je ne mets plus un franc donc, dans ta scolarité. Oui. Et à oui, tout oui, bout de oui, champ, oui. On ne fait que chanter cela à l'enfant. Oui, il y en a. Donc, on doit leur dire que c'est fini. C'est fini. D'accord. Accompagner les enfants. Merci beaucoup. Merci à vous, oui. Monsieur Alphonse Afoda. Merci. Passez très bonne journée à Bembereke. Merci beaucoup. Merci bien. 96 21 50 40. Vous également, vous voulez opiner sur le sujet. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité, l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités? On en parle juste après Dinadou de Tchaoro. Nous avons reçu M. Afouda depuis Bembereke. Et nous sommes, si je ne me trompe, à Candiche. Bonjour à vous. Bonjour, Varo Parako. Monsieur Aziz Togoubio. Je vous remercie pour le sujet du jour. Nous vous écoutons. Et je vous remercie aussi, vous me connaissez, parce que psychologiquement, il faut apaiser nos enfants. Il ne faut pas encore les embrouiller. Parce que même si l'enfant va les amener, il faut quand même connaître comment l'apaiser pour qu'il soit quand même content. Par contre, les parents commencent pas d'abord, parce que à chaque moment quand les enfants vont à l'école, d'autres s'enseignent et revoient encore les épreuves. Ils relisent et puis ils voient là, ils ont commis des erreurs, c'est comme voilà, c'est comme, et en même temps, ces parents commencent par quoi les affaires aussi, sans le faire aussi psychologiquement, au niveau des enfants. Je ne suis pas un psychologue, mais il faut quand même qu'on puisse apaiser. Qu'on arrête tout le temps de chanter. Si ça ne marche pas, c'est fini, tu vas prendre un métier ou j'ai terminé comme ça, je ne pourrai plus mettre un franc dans ta scolarité. Ça casse encore le moral de l'enfant. C'est ça. Il faut quand même qu'on soit quand même joué avec ces enfants-là. Les amis, quand même. Il faut quand même qu'on puisse bien les entretenir et puis leur donner des conseils. Voilà, et puis l'autre chose aussi, Aziz Togoubio, il faudrait déjà que le parent psychologiquement également soit posé. Il faut qu'il tienne bon lui également avant de pouvoir. Et donc, c'est tout un tour. Il faut que les parents, comme vous le dites, essayent de consoler les enfants, essayent donc de leur parler, essayent de leur donner des conseils. Merci beaucoup, monsieur Aziz Togoubio. Merci aussi. Bonne journée à vous, bonne journée à Candy. 96 21 50 40 pour opiner sur le sujet. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité et l'attente des résultats des examens nationaux? On en parle dans cette émission. Juste derrière, monsieur Aziz Togoubio qui nous appelait depuis la cité des Sakakina. Nous allons prendre un autre appelant. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous-même? Monsieur Mounibio, alias Côté Vekel, depuis Boko. Depuis Boko. D'accord, nous sommes dans la commune de Ndali. Voilà. Allons-y. Ok, vraiment, après les examens, il y a vraiment des émotions. Il y a la peureuse là, qui se dit, ah, vraiment, moi, je pense tellement. Donc, il faut dire aux enfants de patienter, de se calmer, de faire comme s'il n'y a rien, parce que peut-être que lui pense qu'il n'a, et qu'il n'a pas mangé, finalement, le jour là, c'est lui, on va dire, ah, il est habillé. Donc, il faut beaucoup de sérénité et que vraiment tout le monde puisse se
calmer. En tout cas, il faut beaucoup entretenir souvent avec l'enfant pour qu'il n'ait pas trop d'émotions. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous et passez une très belle journée à Boko. Pareil, merci. Bonne journée et merci de nous revenir toutes les fois, chaque fois. D'accord. Bonne journée, 96 21 50 40 dans 12 minutes, il sonnera à 6h en temps universel, 7h au Bénin. Vous aurez le bulletin matinal avec Abdoulaye Momouni, Yakoubou, mais pour l'heure, allons-y avec le sujet d'opinion. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité et l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités respectives? www.facebook.com/ortbparacou. Et l'autre sujet, c'est bien sûr le grand format. Nous sommes en santé. Nous parlons de la trépanocytose. Mieux connaître le mal. Aziza Lagoué du desk santé nous invite dans le grand format à le découvrir pour mieux le prévenir. Merci à ceux-là qui viennent de se joindre à nous. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité, l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités. Est-ce que vous êtes en ligne? Bonjour. Bonjour. Comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité, l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités? On en parle dans cette émission matinale Nasuba, c'est tous les jours de la semaine, je le disais, du lundi au vendredi dès qu'il sonne 6h30 minutes. Pour ceux-là qui nous reçoivent depuis, on va dire, Basso, depuis Déracy, depuis Bouka, nous sommes dans Kalalé. Bonjour à vous.
Encore 7 minutes et ce sera Stop FM pour le compte de cette première rubrique de l'émission Nasuba. Mesdames et messieurs, comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité, l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités? On en parle. Et pour participer à cette rubrique de votre émission, composez le 96 21 50 40 ou allez sur notre plateforme Facebook à l'adresse www.facebook.com/ortbparaco. Et de Candy, si je ne me trompe, on se rend cette fois-ci à quelques kilomètres. Nous sommes à Sokotendi, c'est dans Sebona. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Rukaraga. Monsieur Rukaraga, Oudou, depuis l'arrondissement de Sokotendi, dans Sebona, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Les candidats sont dans l'attente des résultats, mais nous, on est prévu que les quatre conseils de l'État. Sinon, si les parents des parents, quand les enfants reviennent, quand ils les interrogent, que l'enfant n'a pas travaillé là, donc ils ne sont pas écartés, les yeux sur les enfants, mais la plupart des gens les encouragent à la patience. Et je leur dis que ça va aller pas. C'est tout ça là. C'est du bas moment que les gens attendent, mais que c'est des ils sont déjà avec nous, ils nous accompagnent déjà même au chat. Les chats sont les mains à l'aise, quoi. Bonne journée à vous, monsieur Rukaraga Oudou. Nous sommes le 21 juillet, mesdames et messieurs, c'est la fête de la musique. Bonne fête donc de la musique à tous les Béninois. Nous sommes mercredi 21 juillet et ce matin, Opinion s'intéresse aux résultats des différents examens nationaux. Alors, comment accompagnez-vous les candidats à vivre dans la sérénité et sans peur donc l'attente des résultats des examens nationaux 2023 dans vos localités? On en parle. Et deux minutes nous séparent de 6h en temps universel, 7h au Bénin. Dans ce studio, dans un instant, vous aurez Abdoulaye Momouni Yakoubou. Ce sera pour le bulletin matinal.
Vous écoutez Radio Parako. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Merci d'écouter Radio Parakou, il est 7h. Le journal. Info matin, Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Bon réveil à l'écoute de Radio Parakou. Bienvenue dans le 7h de votre matinale sur la régionale de l'ORTB. Bonjour à tous. Le nouveau marché de Djougou, en pleine construction par le gouvernement, fait la joie des populations. Oseni Adeleke a attendu son micro aux citoyens de la ville. Nous les écoutons. Djougou est l'une des villes prises en compte par le gouvernement pour la réalisation du projet de construction de marché de type moderne dans plusieurs communes du Bénin. Nous sommes ici dans le quartier Bassala où est érigé ce nouveau marché. Bien avant la finition des travaux et la livraison de l'infrastructure, ce joyau commercial fait déjà la joie des populations. Oui, c'est une bonne chose pour nous, parce que c'est une honneur pour tous les Djougouaises, parce que nous sommes ici au Carrefour, nous voyons les étrangers qui viennent à Djougou par rapport à ceux qui quittent au Togo, Niger, passé, dit vraiment le Djougou a changé. Par exemple, maintenant, ce matin, nous sommes ici, quelqu'un a réservé, vous dit vraiment c'est Djougou ici, on a dit vraiment c'est Djougou par rapport au marché. Le marché a été un bon marché, un marché modèle, très propre, très appréciable. Marché là, comment en train de faire là, c'est bon. Le marché est très bon, c'est bien conçu. Vraiment, on est pressé, rejoindre le marché. Sinon, le marché est très propre et c'est joli à voir. On est content. Le gouvernement de la rupture, dans sa dynamique enclenchée depuis 2016, tout ce qui est annoncé émane d'une programmation bien établie au sommet de l'État. Nous voulons demander, monsieur le président de la République, merci vraiment, on lui remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous voulons que d'ici un peu de temps, on va commencer par animer le marché pour que le Djougou soit un peu joli, petit Paris. Sincèrement, j'apprécie notre gouvernement par rapport à la pensée qu'il a fait pour nous faire marcher. Parce que le marché, c'est pas pour toutes les localités. Mais Djougou a au moins trouvé sa part. Encore remercie le gouvernement pour ça. Les populations de la cité des Pétonniers attendent impatiemment l'ouverture officielle de ce marché aux normes internationales. Oseni Adeleke, Djougou pour Radio Parakou. Le 19 juin dernier a été célébrée la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, maladie génétique du sang. La drépanocytose touche des millions de personnes dans le monde. Il s'agit d'une affection invalidante qui dure toute la vie. Samira Tshabimane. La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie héréditaire du sang. Elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine d'Afrique. Docteur Falilatou Mohamed Agni, responsable du centre de prise en charge intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose, au centre hospitalier universitaire départemental du Borgo sur les manifestations de la maladie. Classiquement, la drépanocytose, elle est silencieuse et les principales complications, c'est les crises douloureuses, mais c'est également l'anémie et le patient peut faire également des infections à répétition. Elle est sur le continent. La première maladie génétique affectant dès la naissance des milliers de malades. Docteur Falilatou Mohamed Agbi.
Environ 3% des nouveaux-nés naissent avec la drépanocytose. Un individu sur 3 est porteur de traits drépanocytaires, mais ne manifeste pas la maladie. La drépanocytose fait environ 2% des admissions pédiatriques. Un diagnostic précoce du mal est conseillé afin d'éviter les unions entre sujets porteurs de la maladie. Clarisse Kweijo, sage-femme. Il est très important en tant que jeune qu'ils veulent s'engager pour pouvoir former leur vie de couple. Je leur conseillerais de pouvoir faire ce dépistage qui est l'électrophorèse. Et là, vous pouvez savoir si vous pouvez vous engager afin de procréer ou de donner des enfants qui seront sains. Plus tôt elle est dépistée, meilleure sera la prise en charge et les chances de survie. Dans l'actualité régionale, les vacances, cette période consacrée au repos, peut être un moment de danger pour les jeunes apprenants s'ils ne sont pas bien suivis. La sécurité des enfants pendant les vacances, Ousmane Baparapé aborde le sujet avec un spécialiste. Vive les beaux jours, les vacances, période par excellence de long repos pour les enseignants et apprenants, des occasions de risque aussi à divers niveaux. Occuper les vacanciers devient alors l'autre alternative. Auguste Chabi, assistant social. Il faut éviter que les enfants soient oisifs, faire des abonnements sélectifs des chaînes de télévision en fonction de l'âge surtout. Il faut entre autres aussi dialoguer avec les enfants sur les questions de santé et de droits sexuels et reproductifs. Il faut inscrire aussi les enfants dans les centres de loisirs adaptés. Cela permettra que les enfants passent un moment de vacances beaucoup plus agréable. Si les deux parents sont absents et qu'ils ont rien que des petits-enfants, il faut systématiquement responsabiliser quelqu'un et quelqu'un de bonne moralité surtout. Au cas où ils ont des grands-enfants, il faut parmi ces grands-enfants-là responsabiliser quelqu'un pour suivre les plus petits avec des consignes que les parents laisseront aux enfants. Passer les vacances, loin du cadre familial habituel, permet aussi l'éveil chez l'enfant. Mais attention, prévient l'assistant social. Aller passer des vacances, ça permet à l'enfant de changer de cadre, de découvrir d'autres réalités. Cette pratique au Bénin où généralement les enfants sont envoyés en vacances chez un membre de la famille, ça permet de consolider les liens familiaux. Cependant, il est quand même important de tenir compte du mode de vie des parents, des familles d'accueil des enfants. Parlant de mode de vie, nous avons entre autres des référentiels en matière d'éducation. Le niveau de vie de la famille d'accueil et les relations entre les deux familles. C'est très important. Autre précaution à prendre pour vos enfants, pensez à prévoir l'imprévu et ayez le bon réflexe à tout moment et en tout lieu. 7h07, autre volet de l'actualité, une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau était mardi dans les centres de composition de l'examen du baccalauréat session de juin 2023 à Parakou. L'honorable Abel Sorokou, élu de la 8e circonscription électorale, était à la tête d'une forte délégation. Dorcas Tito Tchaleyi pour le compte-rendu. Abel Sorokou, à la tête d'une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau, dans les centres de composition des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2023 à Parakou, du lycée Mathieu Bouquet au collège d'enseignement général Hubert Koutoukoumaga, en passant par le CEG Guema, la délégation est allée constater le bon déroulement des opérations pour le compte de cette deuxième journée de composition. Thierry Armel Adoukonou, superviseur au centre de composition, Hubert Koutoukoumaga. Tout se déroule très bien sur un effectif de 1020 candidats. Nous avons déploré hier 17 absents, soit un taux de participation de 98,37%, ce qui est honorable. Et les épreuves d'hier se sont très bien déroulées sans aucun incident. Le dispositif sanitaire et surtout sécuritaire mis en place par le gouvernement force l'admiration, nous dira le chef de la délégation. Abel Sorokou, député à l'Assemblée nationale, élu de la 8e circonscription électorale. J'ai retrouvé la police républicaine qui assure la sécurité depuis l'entrée et à l'intérieur des centres. Également, j'ai noté la présence effective des agents de santé au niveau de tous les centres que j'ai parcourus. Je salue tous les acteurs
qui sont sur cette ligne de l'organisation du baccalauréat. Et à leur tête, le gouvernement qui a su tout planifier et tout mettre en œuvre pour que rien n'y manque. Pour le compte de cette deuxième journée de composition, le bilan est donc satisfaisant sur le terrain. La délégation n'a pas manqué de souhaiter bonne chance à tous les candidats. Dans l'actualité africaine, le Sénégal, le dialogue national initié par le chef de l'État se poursuit et doit s'achever à la fin de la semaine. Dans un climat politique toujours crispé, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko et en vue de la présidentielle prévue en février. Dans ce contexte, la plateforme des forces, la plateforme des organisations de la société civile, Force 24, a lancé son propre dialogue baptisé Dialogue du Peuple. Après un lancement avorté le 31 mai dernier, la réunion du F24 avait été empêchée par les forces de l'ordre. Le dialogue du peuple de la plateforme a bien débuté mardi. Deux thèmes sont à l'ordre du jour, la justice et le troisième mandat du président de la République actuel. Alors que le président Macky Sall ne s'est toujours pas prononcé sur une éventuelle nouvelle candidature. L'émissaire de l'ONU en Libye a estimé qu'une récente entente entre les camps rivaux sur le cadre juridique de futures élections comportait des articles controversés susceptibles de provoquer une nouvelle crise dans le pays, faute d'un accord politique entre les protagonistes. Abdoulaye Batili, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Manoul, a émis ses réserves dans un rapport présenté au Conseil de sécurité à New York et dont le texte a été publié par ses services. Une commission mixte dite 6+6 formée par le Parlement siégeant dans l'est de la Libye et le Haut Conseil d'État qui fait office du Sénat basé dans l'ouest avait annoncé avoir trouvé un terrain d'entente sur la base juridique des élections au terme d'une réunion à Bouznika au Maroc, malgré des points de dissension non résolus. Enfin, dans l'actualité internationale, Joe Biden qualifie Xi Jinping de dictateur lors d'une réception avec des donateurs. À la fin de la deuxième journée de son voyage en Californie, le président américain passe la soirée avec ses soutiens pour une levée de fonds en vue de sa campagne présidentielle. Quand on est entre amis, on peut se laisser aller à tenir des propos désinhibés au beau milieu de son discours pour motiver son auditoire à sortir le chéquier. Joe Biden explique que lorsqu'il a donné l'ordre d'abattre le ballon espion chinois en février dernier, ce qui a vraiment fâché Xi Jinping, c'est qu'il ne savait pas que ce ballon transportant du matériel pour collecter du renseignement était là. C'est la fin du bulletin matinal des informations sur Radio Parakou dans votre matinal Nasubai. C'est également l'essentiel de l'actualité internationale ce matin. 7h13, je vous laisse en compagnie de l'homme à la voix merveilleuse, le commandant de bord, Espoir Gildas Sarigaté, pour la suite de Nasuba pour votre agréable plaisir.
makite kame pote Usawara pote para kukana makwena mwene Sebrasa pokuna para kunze yo mbadi kere kame pote Merci donc à Abdoulaye Moumouni Yakoubou qui présentait le bulletin matinal. Place à présent à la page des sports. Bonjour à vous, Ekelero Gonosero. Bonjour à vous, Jidas Espoir Salgaté. On va dire bonjour à tous les auditeurs. Le sport. Les sports. Les sports. Coupe des Nations de volleyball zone 3, la liste des présélectionnés Guépa et Amazon a été publiée par la fédération. Effectivement, on dira que la direction technique nationale, la DTN de la Fédération Bénin de volleyball a rendu cette liste publique, bien sûr, de joueurs présélectionnés dans les deux catégories hommes et dames, vous l'avez dit, et un total de 18 joueurs par catégorie est retenu pour prendre part à un stage de préparation dans la ville de Parakou, aujourd'hui donc dans la ville, bien sûr, à 450 km au nord, bien sûr, de Cotonou. Les deux sélections seront sous la houlette des coachs Noël Agbayahoun et Saliou Issa et vont se mettre en jambes avant le déplacement de Niamey. Rappelons que dans le cadre de cette même préparation, une dizaine de joueuses s'étaient rendues à Rennes en France pour un stage de perfectionnement du 3 au 10 juillet. Faut le rappeler, 2023, Niamey, la capitale nigérienne, va accueillir l'édition 2023 de la Coupe des Nations de la zone 3 des moins de 21 ans. Et puis Nantes International Handball Cup 2023, le troisième regroupement des handballeurs béninois est entamé depuis le lundi. Effectivement, le travail reprend. Donc, la sélection nationale des moins de 16 ans égrène le plan de préparation élaboré par la direction technique nationale après les premiers et deuxièmes regroupements. Cap maintenant sur le troisième. Les 20 joueurs convoqués pour continuer la préparation ont tous répondu à l'appel pour ce regroupement qui a démarré depuis le lundi dernier. On dira qu'il prendra fin le 26 juin prochain. Sous la houlette du staff technique, les Guépardos vont poursuivre le travail déjà entamé. Deux séances d'entraînement quotidiennes sont prévues, une dans la matinée à partir de 8h et la deuxième dans l'après-midi à partir de 16h, sauf le jeudi à partir de 14h au Hall des Arts, loisirs et sports de Cotonou. Le Nantes International Handball Cup aura lieu en août prochain et le Bénin sera à sa deuxième participation. Et puis, amical, on parle du Sénégal qui envoie le Brésil au tapis. Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé hier était intéressant pour le football africain. Fragile dans le premier quart, le Sénégal a renversé le Brésil 2-4 hier en amical sur la pelouse du stade José Alvalade à Lisbonne au Portugal. Après l'égalisation, les hommes d'Aliou Cissé n'ont jamais douté et ont infligé à la sélection sa troisième défaite contre une équipe africaine en 6 mois. 4-2 avec un doublé de Sadio Mané, le double ballon d'or africain. On dira tout simplement que
Oui, le Brésil, voilà, doit commencer par craindre les équipes africaines, tout simplement, après donc la victoire du Cameroun et du Maroc face, bien sûr, à cette équipe. Place maintenant à l'équipe championne d'Afrique en titre pour aller donner cette victoire, une belle victoire en amical, ce qui va permettre donc aux hommes de Aliou Cissé d'aller en vacances, la tête sur les épaules est libérée avant donc de revenir pour la rentrée et de préparer la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en septembre prochain, même si le Sénégal est qualifié. On dira donc bravo à cette équipe de Sadio Mané. Il faut dire que c'est un 11 type véritablement combattant que Aliou Cissé a aligné pour affronter le Brésil, une équipe qui était complètement différente de celle qui a affronté le Bénin le samedi dernier. Sportima Watt. Faut dire que si cette équipe était là, bon. Allez, ben c'est ça pouvait le tableau pourrait être autre. Peut-être à la faveur du Bénin. D'accord. À la faveur du Bénin. Merci beaucoup Ikiliro Gono Sero et bonne suite à vous. Merci. Dans un instant nous aurons la revue des titres des journaux parus ce jour, mais on souffle un tout petit peu en musique. Para kukana makwena mungu Tondo mboro mge kakrise brasa pokuna Para kunze yo mbadi kere kame pote minutes. Voici donc la revue des titres des journaux parus ce jour avec Yves Patrick Loco. Bonjour aux auditeurs de Radio Bénin. Nous commençons avec Fraternité. Proposition de suppression de visa entre les pays africains. Talon Dangote. Des points de convergence, écrit en manchette Fraternité. Hausse du nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Le Bénin, une terre d'accueil privilégiée. Déclaration et paiement de cotisations par les employeurs. La CNSS et l'Ordre des experts comptables du Bénin échangent pour la sécurité sociale des travailleurs. Entretien avec Natacha Djosovi, elle est chef service dans une structure. Citation, ce n'est pas parce qu'on dirige les hommes au service qu'on peut aussi diriger son mari
à la maison. Fin de citation. On passe à la une de l'événement précis à présent. Mise en place de commission parallèle suite au drame de Kourounou, procureur FDF et Romeki à la quête de la vérité. Audience à l'Assemblée nationale, une délégation des résidents et ressortissants d'Okeowo chez Vlavonou. Justice syriaque Dossa rassure sur l'indépendance des magistrats de la Criète. Cour constitutionnelle, le recours contre Dandi Nyamou en examen. Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, talon attendu demain à une conférence internationale à Paris. Promesse électorale sur la libération des détenus politiques et au retour des exilés. Pression sur les députés de l'opposition, les démocrates acculés. Le potentiel à présent, système financier décentralisé dans le zoo, épargne publique, déjà frappé par des criminels financiers. Examen de diplôme technique, annulation d'une épreuve de bac au lycée d'Akasato. Assemblée nationale, les députés en plénière ce jour. On va à la une du quotidien Les Quatre Vérités. En exécution à la décision du Conseil des ministres en date du 7 juin 2023, liste des cabinets de géomètres et d'urbanistes suspendus. On va à la une du journal Le Béninois Libéré. Abdoulaye Diochané reçu en frère par Diogwenou au siège de l'UP Le Renouveau, l'axe BRUP en alliage, nous informe Le Béninois Libéré. On va finir avec ce journal, la nouvelle tribune, suppression des subventions de l'essence au Nigeria, plusieurs secteurs d'activité au ralenti, informe le journal. La baisse du prix de l'essence fluidatée fluidifie la circulation routière. C'était donc la revue des titres des journaux parus ce jour avec Yves-Patrick Loco. Elle fait objet de réflexion de la part des experts médicaux et des populations. Le 19 juin de chaque année, la drépanocytose, maladie génétique, elle touche des millions de personnes dans le monde, beaucoup plus en Afrique subsaharienne, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une affection invalidante à vie qui, pourtant, peut être évitée au sujet par des dispositions préalables. La drépanocytose, mieux connaître le mal, une signature de Aziz Alagbé du desk santé du service de l'information. Également appelée anémie haémacie falciforme, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire, donc transmise par les parents géniteurs. Elle est au début bénigne, difficile à déceler à l'œil nu. Docteur Falilatou Agbehi Mohamed, médecin pédiatre. Au début, les signes de la maladie sont souvent silencieux, surtout les premiers mois de la vie. Mais c'est surtout à l'occasion des complications que l'on suspecte la maladie. Et ces complications sont généralement de plusieurs ordres. Les plus fréquentes, c'est les crises douloureuses au niveau des os et également au niveau des articulations. Le mal touche aussi bien les filles que les garçons. Pour que la maladie se transmette, les parents doivent donc être tous deux porteurs du gène muté. La forme homozygote, appelée forme SS, signifie que les deux gènes sont mutés. Cette atteinte se manifeste avant l'âge de 2 ans et cette fois-ci perceptible, précise le médecin pédiatre. L'autre signe qui est fréquent, c'est l'anémie. C'est un enfant ou un sujet qui est constamment pâle et vous le regardez, sa paume des mains est pâle. Ses yeux sont blancs et parfois c'est des enfants qui ont été transfusés plusieurs fois. Un autre signe, c'est l'ictère. L'ictère, c'est une coloration jaune des téguments. Donc, vous avez un enfant qui a constamment les yeux jaunes.
Et parfois, ils vont vous présenter, pas parfois, mais souvent, ils vont avoir des infections à répétition et ils peuvent avoir un retard de croissance, c'est-à-dire que c'est un enfant qui grandit, mais qui ne prend pas du poids. Les examens nuptiaux, dont l'électrophorèse, permettent de mettre en évidence l'hémoglobine S, cause de la maladie. Il n'existe pas de traitement curatif de la drépanocytose. Toutefois, un suivi spécifique du patient permet d'alléger les peines irrelatives. Il n'y a malheureusement pas, à l'heure actuelle, surtout en Afrique subsaharienne, de traitement spécifique par rapport à la drépanocytose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un médicament qu'on va donner au patient et qui va lui permettre de guérir de la maladie. Mais ce n'est pas non plus parce qu'un sujet a la drépanocytose que ça veut dire que c'est une fatalité. Actuellement, la drépanocytose n'est plus une fatalité parce que à travers des mesures simples du quotidien, on peut considérablement améliorer la qualité de vie du sujet atteint. La bonne alimentation et l'hydratation du sujet atteint sont primordiales. Docteur Falilatsou Agbeyi Mohamed. Il va falloir assurer une bonne alimentation aux patients atteints à travers des repas riches et équilibrés, et ceci plusieurs fois par jour. L'eau constitue un élément important dans la prise en charge du patient atteint de drépanocytose. L'eau permet de bien fluidifier le sang et ainsi donc de réduire les crises douloureuses. C'est-à-dire que le sujet atteint de drépanocytose doit boire beaucoup et doit boire régulièrement, aussi bien de jour que de nuit. Le troisième élément qu'il est important de retenir, c'est une bonne hygiène. Au Bénin, selon les statistiques du ministère de la Santé, 3% des bébés qui naissent chaque année sont atteints de drépanocytose. Environ 30 personnes sur 100 sont porteuses des traits du mal. Thank you.
Onyandi kuluna irime pote hu Parakonze yo una onarime pote Parakonze yo una onarime pote Wono kotonunze Wono portonunze Wono kandinze Wono natitengunze Onyandi kuluna irime pote hu Beneze yo una onarime pote Beneze yo una Wono babonze, wono tobonze, wono kananze, wono nigerianze, onyadi kuluna irime pote, Afrika zeyo kuna onarime pote, Afrika zeyo kuna onarime pote.
kute Wono yara keneze Wono ye uberinze Onyandi kuluna irime pote hu Parakonze yo kuna onarime pote Parakonze yo kuna onarime pote Wono kotonunze Wono portonunze Wono kandinze Wono na titengunze Onyadi kuluna irime pote hu Beneze yo kuna onarime pote Beneze yo kuna onarime pote Beneze yo kuna onarime pote Wono babonze Wono togunze Wono kananze Wono nigerianze Onyadi kuluna irime pote hu Afrika zeyo kuna onarime pote Afrika zeyo kuna onarime pote Afrika zeyo kuna onarime pote minutes, toutes nos excuses mesdames et messieurs pour des raisons involontaires, ça se discute, ne pourra pas avoir lieu. On va se donner rendez-vous certainement demain à 6h30 pour une nouvelle émission, mais on reste toujours en musique jusqu'à 8h à laquelle vous aurez vos informations, de même que les communiqués en langue dite Mari. Woki fangi bayo nono koyo Woki fangi bayo nono koyo Aseni tense We boro terega Al boro terega Kanam Nasuba, Nasuba, Nasuba.
Welcome to Nasba, le tremplin de l'actualité sur Radio Baraka. Nasba, le package matinal.